Alors, pendant qu'ils installent la présentation, donc aujourd'hui, nous accueillons Timothée Giraud, donc ingénieur en sciences de l'information, ingénieur en SIG au CNRS, dans l'unité RIAT. Alors, vous connaissez peut-être Timothée, parce qu'il a développé plusieurs packages dans l'univers de la cartographie, notamment cartographie, MapSF ou encore OSRM. Il est également co-auteur du logiciel Magritte et membre du comité éditorial ERZIN, dont on a eu une présentation hier. Et aujourd'hui, Timothée va nous parler de l'écosystème spatial de R. Voilà. Ça y est, c'est allumé. Tout d'abord, merci à l'organisation de m'avoir invité. C'est super, je suis très content d'être là. Et puis merci à vous d'être venu ce matin, tôt. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de l'écosystème spatial de R, qui est une partie très vivante du monde de R. Je vais commencer par quelques repères historiques, en commençant avant 2003, où en fait, il existait déjà toute une série de packages qui permettaient de traiter des données spatiales ou de les importer, de les afficher, de faire des statistiques un peu sur des semis de points, sur des questions d'interpolation, de géostat. Donc il y avait déjà pas mal de packages qui existaient, mais un écosystème qui n'était pas non plus hyper mûr. En 2003, est sorti un package qui s'appelle RGDAL, qui permettait d'importer et d'exporter très facilement un grand nombre de formats de données spatiales. Donc ça a été un grand changement très, très appréciable. En 2005, il est sorti le package SP, qui fournissait des classes et des méthodes pour l'affichage, le traitement des données spatiales. Donc là, ça a été vraiment un pas en plus qui permettait de traiter réellement des données spatiales dans R, en tant que données spatiales, sans avoir à passer par des formats moins adaptés. En 2008, le package SP a été supporté par ggplot2, ce qui a permis du coup son adoption encore plus large. En 2010, le package RGOS est sorti, et ce package-là servait à... j'en parle au passé, mais vous verrez pourquoi... servait à faire tout ce qui est géotraitement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un buffer, comment est-ce qu'on calcule des distances, qu'on fait des intersections, tout un tas d'opérations qui sont assez classiques dans le monde de la géomatique, de la géographie quantitative. En 2010, c'est sorti le package Raster, qui permettait de traiter les données raster, donc les images satellites, etc. Donc ça aussi, ça a été une grande avancée, très utile. Donc voilà, jusqu'en 2010, jusqu'en 2016, à vrai dire, on avait cette stack spatiale, Raster, RGOS, SP, RGDAL. Et puis en 2016 est sorti le package SF, pour Simple Feature, qui a été créé par Edzer Pebesma, qui était aussi l'auteur de SP, et qui vise à remplacer les packages SP, RGDAL et RGOS. Donc c'est pas une concurrence, c'est vraiment une filiation, c'est la même personne qui s'est dit on a trouvé un format qui était plus adapté, meilleur. Et donc maintenant, c'est plutôt le package SF qu'il faut utiliser. Puis dans le monde du raster, il y a deux packages qui sont sortis, STARS par Pebesma et Bivan, donc aussi des figures de l'écosystème spatial. Et puis le package Terra, qui vise à remplacer Raster, le package Raster, par le même auteur que le package Raster. Donc là, pareil, ce n'est pas une concurrence, c'est vraiment c'est la succession, c'est la suite. Donc voilà, en fait, maintenant, je pourrais m'arrêter là et vous dire, bon, si vous voulez utiliser des données spatiales dans R, utilisez SF, utilisez Terra, et puis voilà. Bon, j'ai quelques autres slides quand même. Donc depuis tout à l'heure, je parle de vecteurs, de raster, etc. Donc qu'est-ce que c'est ? Rappel avec un point d'interrogation, parce que certains d'entre vous savent exactement ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est un raster? Un raster, en fait, c'est une image composée de pixels qui vont contenir une information. Alors typiquement, ça va être pour une photo aérienne, ça va être la quantité de rouge, de bleu et de vert.
On peut rajouter ensuite d'autres couches d'informations comme les réponses dans l'infrarouge ou des choses comme ça. Ces pixels, ils sont définis par une résolution, ils ont une certaine taille et ils sont inscrits dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a des références spatiales, on peut les placer sur le globe. Et puis les vecteurs, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des points, des lignes et des polygones. Donc les points sont définis par un couple de coordonnées, les lignes par une suite de couples de coordonnées, et les polygones une suite de couples de coordonnées qui finissent par le premier. C'est des objets qui ne pixelisent pas, c'est-à-dire que si on zoome en avant ou en arrière, en fait, l'image va rester très, très propre, très nette. Et puis, en principe, chaque objet, dans une couche de vecteurs, est identifié par un identifiant. Donc voilà, ça c'est un petit résumé. Donc les vecteurs, c'est des points, des lignes, des polygones. Les rasters, c'est une grille de pixels. Donc cet écosystème spatial de R, en fait, il repose sur un écosystème spatial plus large qui ne dépend pas de R, qui sont des bibliothèques systèmes qui sont très utilisées dans plein d'autres logiciels, qui sont utilisées en Python, qui sont utilisées dans PostGIS, qui sont utilisées dans QGIS. Donc ces librairies-là qui sont derrière. Donc elles sont principalement, c'est GEDAL qui va gérer tout ce qui est l'import, l'export des données et toutes les questions de projection, comment est-ce qu'on passe de la sphère au plan. Grâce notamment à la deuxième librairie importante qui s'appelle Proj, qui va contenir toutes les références à ces projections. Et ensuite, une dernière librairie importante, c'est Geos, qui va du coup contenir toutes les fonctions qui permettent de créer des buffers, créer des intersections, des calculs de distance, etc. Donc là, par exemple, ce schéma, c'est le package SF qui dépend directement de ces trois librairies système-là. Qu'est-ce que ça implique ? Ce sont des dépendances externes qui ne sont pas liées à R. Du coup, il peut y avoir des problèmes d'installation, des difficultés d'installation, et de reproductibilité. C'est-à-dire qu'avec la même version de package R, de package SF, si jamais derrière on a des versions différentes de GEDAL et de Geos, on peut obtenir des résultats différents. Donc il faut le savoir, et ce que ça implique, surtout sous Linux, c'est qu'il faut parfois envisager la containerisation, c'est-à-dire stocker les versions de GEDAL, Geos et Proj en même temps que les packages, et pas seulement le package. Voilà, ça c'est premier point important, utiliser SF et Terra. Deuxième point important, attention. Si vous utilisez RGDAL, RGOS et MapTools, arrêtez tout de suite. En fait, ces trois packages-là, qui étaient des packages qui interfaçaient ces librairies système, vont être archivés à la fin de l'année. Elles vont disparaître du cran, complètement. Parce qu'elles ont été remplacées avantageusement par les packages SF et Terra, qui se lient directement à ces librairies-là. Donc là, ici, il y a un lien sur un post de blog qui indique un peu qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'utilisateur ou développeur si on utilise ces librairies-là. Et pourquoi est-ce que ces librairies vont être archivées ? Bon, alors d'abord parce que leur mainteneur part à la retraite et qu'il n'a pas envie de maintenir des librairies finissantes. Et puis, ensuite, comme je l'ai dit, elles ont été avantageusement remplacées par d'autres packages qui vraiment font qu'on n'en a plus besoin. Alors ça, ce qui était très agréable en tant que développeur et utilisateur, c'est que ce processus d'archivage a été préparé en amont largement. C'est-à-dire qu'il y a déjà un an ou deux ans, on a commencé à savoir que ces librairies allaient disparaître. Et puis ensuite, il y a eu une série de posts de blog, 4 ou 5. Il y a eu plusieurs talks dans des conférences, ou d'utilisateurs R, ou du monde du géospatial.
des communications directes aux développeurs, c'est-à-dire que moi j'ai reçu des mails qui me disaient « attention, tu utilises RGDAL, ça va disparaître, débrouille-toi pour faire autrement ». Et puis des messages d'erreur, enfin des messages d'information au chargement des packages. C'est maintenant, à chaque fois qu'on charge l'un de ces packages, c'est marqué explicitement, ça s'appelle des legacy packages, et ils vont disparaître en octobre 2023. Donc n'utilisez plus ces packages-là du tout. Et faites attention quand vous utilisez d'autres packages spatiaux qui ne dépendent pas trop de cela. Parce que quand on regarde les reverse dependencies de ces packages-là, on se rend compte que pour RGDAL et RGOS, il y en a encore 9 et 8 qui en dépendent. 109, 69, ça fait beaucoup de packages qui, si rien ne se passe, vont tomber en octobre 2023. Et puis on voit aussi que les packages SF, STARS, etc. ont en gros pris le relais sur ces anciens packages. Donc les fonctionnalités qui fonctionnaient dans d'autres packages maintenant sont disponibles ailleurs. Alors je vais maintenant vous décrire un peu quelques packages principaux. Donc d'abord le package SF, qui permet d'importer, d'exporter des données spatiales, d'afficher des données spatiales, de faire des géotraitements, donc toutes les opérations SIG, qui, petite nouveauté par rapport à l'ancienne stack basée sur SP, etc., permet de gérer la rotondité, les opérations géospatiales sur un globe, donc ne pas avoir des distances sur un cercle, avoir des surfaces sur un cercle, etc. C'est pas évident, ça utilise la librairie S2 de Google. L'utilisation du standard Simple Feature, qui est aussi utilisé par PostGIS, par exemple. Les fonctions de SF sont très compatibles avec le pipe et avec beaucoup d'opérateurs du tidyverse, ce qui permet d'enchaîner les opérations de manière agréable si on est utilisateur de ces fonctionnalités-là. Alors, voilà, c'est ça, le format d'un objet SF, en fait, c'est un data frame. C'est réellement un data frame. Si on regarde la classe ici, c'est un data frame. Et c'est aussi un objet de type SF pour Simple Feature. Donc, c'est un data frame qui va contenir des colonnes classiques, des variables, donc ce qu'on appellerait une table attributaire dans le monde du SVG, et puis qui contient aussi une colonne spéciale, géom, une liste, qui va contenir la définition des objets spatiaux qu'on utilise. Donc pour des points, ça va être un couple de coordonnées, etc. En plus de ça, il y a un header qui va contenir le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le type d'objet qu'on a, est-ce qu'on est sur un polygone, sur des polygones, des points, etc. Des informations sur la bounding box, donc l'étendue de la couche qu'on va importer. Et puis des informations sur le système de projection utilisé. Donc toutes ces parties-là sont interrogeables par des fonctions à part entière. Et c'est un format qui est vraiment super pratique à manipuler par rapport à ce qui existait avant. S'il y a des utilisateurs de SP et que vous n'êtes pas passé à SF, vous verrez que c'est vraiment hyper agréable. De transformer du code SP vers SF, c'est vraiment cool parce que tout est plus simple, plus beau, plus propre. Et c'est le même auteur, c'est les mêmes gens qui sont derrière, donc on n'a pas l'impression de faire une infidélité non plus. Alors voilà, là-bas, c'est quelques petites fonctions de base. Donc pour importer une couche, on va utiliser une fonction qui s'appelle stread, qui va lire une couche d'information. Les principaux formats de fichiers spatiaux sont pris en charge grâce à la librairie GDAL. Donc tout ce qui est GeoPackage, GeoJSON, Shapefile, il ne faut pas utiliser le Shapefile, il faut utiliser plutôt autre chose. Tout ça, ça fonctionne avec SF. Pour l'affichage, en fait, on va simplement utiliser la fonction plot, qui par défaut va nous sortir une série de cartes, les quelques premières variables qu'on a dans un jeu de données, avec une représentation pseudo-carto qui va essayer du coup en fonction du type d'objet, du type de variable, de trouver la méthode de représentation qu'il faut. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet d'avoir un aperçu rapide sur les données attributaires qu'on a.
Et puis sinon, on peut afficher simplement uniquement la géométrie, uniquement le dessin des objets. Ensuite, pour les opérations de géotraitement, il y a des fonctions très simples qui permettent, donc ici l'exemple c'est comment est-ce qu'on calcule un centroïde, donc le centre d'un polygone. Il y a une fonction qui s'appelle stcentroïde et qui va retourner un objet SF qui va être simplement le centre du polygone. On peut calculer des matrices de distance, donc ça c'est des choses qui sont utiles quand on fait de l'analyse spatiale, de la statistique, à quelle distance les objets sont les uns des autres. C'est des matrices d'entrée de plein de modèles spatiaux. Et donc là, ça va nous sortir une matrice qui a une particularité, c'est qu'elle a des unités. Donc c'est grâce à la librairie Units, je crois. Et donc ça permet de transformer facilement de mètres en kilomètres, en miles, etc., sans avoir d'idée sur la conversion, ou de passer de kilomètres carrés en hectares, etc. Ça peut être assez sympa. Et on peut s'en débarrasser assez facilement si c'est pénible. Toujours sur les aspects de géotraitement, on peut aussi agréger des polygones. Donc là, par exemple, c'est l'ensemble des communes de la Martinique qu'on va agréger pour créer le contour du département. Donc c'est des opérations classiques en SIG qui sont accessibles très simplement. On peut créer des buffers, des zones tampons. Donc ici, j'utilise le gros polygone de l'ensemble de l'île et j'applique un buffer de 5000, donc dans l'unité de la carte qui est en mètres, donc c'est 5 km autour de la côte, ça va créer un buffer. Et puis un peu plus avancé, c'est les intersections. Donc là ici on a un carré rouge et on va utiliser ce carré pour pouvoir découper les polygones et extraire cette partie-là. Donc ça c'est des trucs très facile à écrire, il n'y a pas beaucoup de paramètres derrière, et c'est assez agréable à utiliser. Voilà, c'est un autre exemple, clairement plus compliqué, mais j'ai fait exprès. En fait, des polygones de Voronoï, il y a plein de choses qui ont déjà été dites dans les tutoriels géospatiaux, si vous y étiez, donc je suis désolé, je répète. Donc des polygones de Voronoï, c'est des polygones qui sont créés à partir de points. C'est-à-dire on a une couche de points, et à partir de ça, on va pouvoir créer des polygones. En gros, je ne savais pas trop comment le faire, ce n'était pas trop bien documenté dans le package, mais je suis tombé très rapidement sur des exemples sur Internet. Et donc là, j'ai utilisé le pipe et toute une série d'instructions qui se suivent pour aboutir, à partir d'une couche de points, à des polygones comme ça. Donc ça peut paraître un peu abscon, mais bon, il y a vraiment des informations sur le web. Donc voilà pour le package SF. Donc ça, c'était le package à utiliser pour les données vectorielles. Si on regarde pour les données raster, il y a le package STARS qui existe, plutôt pour gérer les cubes de données et des choses un peu particulières. Le package Terra est plus passe-partout, on va dire, et donc il permet de gérer des données raster, aussi des données vectorielles si on en a besoin, mais surtout raster, et donc ça permet de faire de l'affichage, des modifications de la zone d'étude, comment est-ce qu'on va reprojeter les données, les découper, ça permet de faire de l'algèbre spatiale, donc là on va pouvoir comparer des pixels sur plusieurs couches, sur plusieurs années, sur plusieurs thématiques, etc. Et des transformations, conversions, donc on peut passer du raster au vecteur, etc. Donc là c'est un petit exemple d'import d'un objet raster, là je crois que c'est les couches d'altitude, et puis à droite un objet vectoriel, donc c'est les communes du Lot. Donc il y a deux fonctions super simples. Ici, c'est un exemple sur comment est-ce qu'on va faire pour reprojeter des données, donc changer la projection utilisée avec la fonction project. Alors, pour info, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ici, c'était juste pour vous montrer la fonction, mais c'est un poil plus compliqué. Il faut prévoir la grille de destination, etc. Mais c'est expliqué dans la documentation.
Et puis ensuite, les opérations de découpage. Par exemple, ici, j'ai découpé mon gros raster par une commune en particulier. Donc là, ça a pris l'emprise de la bounding box de la commune avec la fonction crop. Et puis avec la fonction mask, on va carrément découper les pixels qui intersectent simplement la couche d'information. Et puis pour les questions de statistiques et d'intersection, etc., ici avec cette fonction extract, ce que je fais, c'est que je vais regarder pour chaque commune du lot quelle est la valeur minimale de pixels à l'intérieur du polygone, en gros. Donc là, c'est très simple, on prend la couche de raster, la couche de vecteur, et une fonction qui va agréger en gros les pixels qui sont sous la couche de données. Voilà, moi je conseillerais vraiment, par défaut, je conseillerais plutôt d'utiliser Terra pour faire du raster, et s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire ou qui vous semblent un peu pas adaptées, il faut aller regarder du côté du package Stars, qui propose d'autres fonctions parfois. Donc ça, c'est vraiment le socle pour moi, SF et Terra, on s'en sort vraiment très bien pour toute la gestion des données spatiales. Ensuite, quand on veut représenter les données, on va vouloir faire une carte avec un titre, une échelle, une flèche nord, une légende, tout ça. Là, pour moi, il y a trois packages ou trois groupes de packages qui permettent de le faire. Il y a le package TMAP, le package ggplot2 avec une extension qui s'appelle ggspatial, et puis le package MapSF. Donc, on peut très bien faire des cartes avec ggplot2. Voilà, c'est une librairie qui est prévue pour tout faire, donc on peut faire des cartes, mais du coup, ce n'est pas spécifiquement prévu et adapté pour faire de la carto. On s'en sort très bien, on peut y arriver, mais ce n'est pas spécifiquement fait pour. Le package TMAP, il utilise une syntaxe qui est assez proche de celle de ggplot2, avec des plus enchaînés qu'on peut stocker dans des objets, etc. Et qui est pas mal aussi. Et puis il y a le package MapSF, qui est le meilleur évidemment, mais qui est un peu différent des autres, dans le sens où il s'appuie plutôt sur RBase, qui a plutôt peu de dépendances. Et voilà. Donc là, je vais faire un petit focus sur MapSF. MapSF, c'est un package que j'ai développé en 2020 ou 2021, et qui remplace un package que j'avais créé avant avec un collègue qui s'appelait Cartographie. Donc l'idée, c'était de le remplacer, mais du coup, en utilisant SF et Terra plutôt que SP, RGDAL, RGOS. Donc là, j'ai suivi la tendance, il fallait mettre à jour, et puis j'en ai profité pour revoir un peu tout de fond en comble pour faire un truc plus propre. C'est un package qui utilise une fonction principale qui s'appelle MFMap, où on va rentrer un objet SF, une variable, la variable qu'on veut représenter, ou plusieurs éventuellement, et puis un type de carte. Est-ce qu'on veut faire des cercles proportionnels? Est-ce qu'on veut faire une carte en aplats de couleurs ou des cartes plus compliquées? Ah bon, évidemment, il y a un site web, une cheat sheet, et puis voilà. Donc ça, un petit exemple d'utilisation assez simple de MapSF. Donc d'abord, on va utiliser les données d'exemple sur c'est les communes de Martinique, c'est mon jeu de données fétiche. Avec la fonction MFMap sans argument, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher la géométrie. C'est un petit wrapper autour de plot des objets spatiaux. Et puis ensuite, si on veut représenter des cercles proportionnels, on va utiliser la fonction MFMap avec comme variable celle qu'on veut représenter, le type qu'on veut représenter, donc là c'est des symboles proportionnels, donc propres, et puis ensuite il y a tout un tas de paramètres pour la légende, la position de la légende, le titre, la taille, etc. Donc là j'ai mis simplement le titre de la légende. Ça c'est l'exemple le plus simple. Et puis il y a une fonction layout qui permet de rajouter un titre général, une flèche nord, une échelle, des sources, tout ça un peu dans une fonction. Ça c'est le cas d'utilisation vraiment simple, mais bon, c'est super rapide du coup quand on fait de l'analyse exploratoire. Et puis ça c'est un exemple un peu plus compliqué, où ici j'ai utilisé un thème,
C'est-à-dire que la couleur de fond, elle est choisie, la taille du titre est choisie, il est en italique. Ensuite, j'ai rajouté, ça se voit pas des masses, mais un léger ombrage sous la couche. Donc c'est un truc un peu esthétique, mais ça rajoute à la finalisation de la carte. Et puis j'ai rajouté un inset avec la position de mon objet spatial sur un globe. L'échelle, je l'ai définie précisément, explicitement, à 5 km, etc. etc. Donc voilà pour la carto thématique statique. Et puis si on regarde la cartographie interactive, qui est souvent un truc qui vous branche bien, là j'ai identifié trois principaux packages. Tout d'abord, le package Leaflet qui s'appuie sur la librairie JavaScript Leaflet et donc qui permet de faire des cartes interactives assez sympas, assez paramétrables. Il y a le package MapView qui s'appuie sur le package Leaflet et qui propose une interface qui est vraiment super simple et qui, en fait, pour moi, ça va apporter à R la partie qui manque pour ressembler à un SIG, c'est-à-dire la partie où on peut se déplacer sur la carte facilement, zoomer, interroger la table attributaire, etc. Pour moi, c'est un peu le truc qui manquait. Et puis, vraiment, c'est assez facile à utiliser. Et puis, il y a une troisième librairie que j'ai identifiée qui repose sur Mapbox GL et DeckGL qui permet de faire des visualisations assez, assez sympas, que je n'utilise pas par ailleurs, mais... Donc là, ici, c'est un exemple de l'utilisation de la librairie MapView. En fait, simplement, on va faire MapView, le nom de la couche, et on se retrouve avec une carte interactive, à droite, voilà, où je vais pouvoir zoomer, je vais pouvoir afficher ou pas les couches qu'il y a dessous, changer la couche qu'il y a derrière, etc. Et puis, si je clique sur... bon, là, on ne voit plus rien. Si je clique sur une région... je vais avoir accès à sa table attributaire, donc quelle région c'est, etc. Après, on peut aller plus loin, colorer les régions en fonction d'une variable, etc. Ensuite, il y a un autre exemple avec la librairie Leaflet que j'ai pu utiliser dans un Shiny. Alors, soyez... soyez sympa parce que c'est mon deuxième Shiny de toute ma vie. Et c'était facile en fait. J'en ai fait un en 2013, je crois, et puis un en 2022. Donc ça, c'est un petit jeu un peu débile sur comment il faut placer des villes sur une carte. Ça va calculer la distance et puis... au bout de 20 villes, on a la distance totale, et en fait, plus la distance est courte, plus on... Là, je clique n'importe où, mais ça va me donner la distance au point sur lequel j'ai cliqué, etc. Et c'était assez facile. Voilà pour la carte interactive. Alors, il y a aussi la possibilité... si on se retrouve dans... un cas typique, ce serait qu'on a un jeu de données, une couche de points, par exemple, tous les arbres d'une ville ou quelque chose comme ça, mais on n'a pas de couche dessous, on n'a pas d'autres informations. On ne sait pas s'il y a une route qui passe à côté, s'il y a des frontières, s'il y a... Bon. Et en fait, on peut télécharger des données et les assembler et les utiliser de différents providers comme Google ou Google Maps ou Bing ou OpenStreetMap. Moi, j'ai développé le package MapTiles qui permet de récupérer ces fonds de cartes au format raster, hein, donc c'est des pixels. Ou en fait, ce que je fais ici, c'est que je définis une bounding box, donc c'est latitude et longitude minimum et maximum. Et à partir de ça, je vais télécharger toutes ces tuiles et je vais pouvoir les afficher en dessous. Et donc là, ça me permet d'avoir un fond de carte que je peux utiliser, mettre mes points dessus, ils auront une référence, on aura des infos sur le contexte qu'il y a dessous. Alors, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée-là. Il y a tous ces packages-là qui sont possibles d'utiliser.
Pourquoi est-ce que j'ai créé le mien? C'est parce que moi, je voulais un truc qui était un peu agnostique sur les providers. Je ne voulais pas prendre que OpenStreetMap ou prendre que Google. Et puis, je voulais un truc agnostique aussi sur le système de graphique à utiliser. Et donc, ceux qui sont là, par exemple, ggmap, c'est pour ggplot2, ggspatial, etc. Mapbox API, c'est pour le provider Mapbox. OpenStreetMap, bah, ça nécessite Java, donc bon, c'est, hop. Et Google Map, c'est Google aussi. Le package Ceramic, lui, il est aussi agnostique et je pense qu'on peut faire à peu près ce que fait MapTiles avec. Mais en gros, ça veut dire que vous pouvez utiliser cette huile dans ggplot2 sans problème. Les palettes de couleurs. Ça, c'est un truc que les utilisateurs de R aiment. Clairement. Moi, je m'en fous un peu. Mais bon, j'ai quand même. Donc, il y a 70 packages sur le cran qui sont des packages pour les palettes de couleurs. Alors que toutes ces palettes qui sont ici, elles sont déjà dans RBase avec la fonction HCLColors, on peut y accéder, les paramétrer, etc. Donc voilà, 70 packages, vous trouverez votre bonheur. Il y a un meta-package qui est assez sympa, qui s'appelle PaletteTier, qui propose 2587 palettes. Et en fait, c'est un meta-package, il va chercher les palettes dans plein d'autres packages, et il les assemble, il les classe, etc. Et puis un autre package sympa, qui s'appelle Calls for All, qui propose une appli Shiny pour pouvoir choisir ses palettes, le nombre de couleurs, est-ce que c'est séquentiel ou catégoriel, est-ce que, bon voilà, avec des informations sur est-ce que, c'est, est-ce que ça marche avec les daltoniens, est-ce que ça marche avec les imprimantes, est-ce que, etc. Un peu dans l'idée du travail de Cynthia Brewer dans les palettes Brewer. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser même si vous ne faites pas de spatial, en fait, si vous avez besoin d'une palette. Ce package-là est assez sympa, avec un Shiny du coup pour choisir tout ça interactivement. Moi, j'utilise toujours les mêmes et je ne me pose pas trop de ces questions-là. Mais je sais que ça suscite l'intérêt. Voilà, ensuite, un autre point où R est fort et l'écosystème spatial est assez complet et marche, quoi. C'est sur l'analyse spatiale et les statistiques spatiales. Si on veut étudier des semis de points, si on veut faire du crigeage, de l'autocorrélation spatiale, de la régression géographique, etc., il y a des packages qui existent, qui fonctionnent, qui s'appuient sur l'écosystème spatial, donc ça va marcher avec les objets SF, les objets Terra, ou alors il faut des petites conversions, mais c'est pas bien méchant. Et donc si vous êtes intéressé par ces questions, si vous en avez besoin, vous pouvez aller voir la task view du cran, la task view spatiale, qui est bien faite. Je pense que c'est Roger Bivant et Yacoub Novosad qui la chapeaute. Et elle est vraiment... c'est bien classé, les packages principaux ils sont bien décrits. C'est vraiment ce point d'entrée-là que j'aurai en fonction de la méthode que vous voulez mobiliser. Vous trouverez votre bonheur là-dedans. Et puis, si vous voulez en avoir plus sur la statistique spatiale, il y a une session tout à l'heure à 11h avec la session géospatiale. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est là qu'il faut aller. Et puis sinon, la session workflow a l'air cool aussi, donc je ne veux pas dépeupler l'une pour... et je ne sais pas encore à laquelle j'irai moi-même. Voilà, ensuite, avec R... Évidemment, on peut télécharger des données externes, on peut aller taper dans des API, il y a plein de packages qui permettent de récupérer des données. Donc par exemple, pour les maillages administratifs, si on veut les contours des pays du monde, la position des capitales, etc., il y a le package R Natural Earth, qui utilise la base de données Natural Earth, qui est vraiment pas mal. Si on est à une échelle européenne, sur les régions européennes, par exemple, il y a le package GISCO R, qui permet d'avoir accès aux couches des régions européennes à différents niveaux, etc. Et puis ensuite, au niveau si vous voulez des données au niveau des pays, il y a le package Tigris pour les États-Unis, le package Map Spain pour l'Espagne, GeoBR pour le Brésil,
Je les ai zappés, mais il y a aussi les packages de l'INSEE pour récupérer les données spatiales, le package APIGN qu'on a eu en présentation hier. Voilà, il y a tout un tas de sources comme ça pour les données administratives. Pour les données climatiques, il y a un package qui s'appelle Geodata, qui contient des données de base sur le climat, mais aussi sur l'occupation du sol, sur l'altitude, enfin, il y a plein de choses dans ce package Geodata. Pour les altitudes, il y a un package qui s'appelle Elevator. J'ai mis un petit panneau derrière parce qu'il utilise RGDAL dessous et on ne sait pas. Il y a un message d'erreur qui s'affiche à l'entrée, il fonctionne, mais pour l'instant. Pour les questions d'occurrence d'espèces, que je ne connais pas du tout, mais il y a le package SPOCC qui va chercher des données dans GBIF et plusieurs bases de données d'occurrence d'espèces. Ensuite, pour les données socio-éco-démo, il y a le package WSTAT qui va chercher les données sur les données de la Banque mondiale, le package Eurostat qui va chercher les données d'Eurostat, puis ensuite il y a des données de santé, etc. Pour les données satellites, il y en a quelques-uns aussi, CentOAIR, MODISP, qui vont chercher différentes sources de données et qui donnent accès à plus ou moins ou du téléchargement ou du traitement à distance, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous pouvez regarder cela. Voilà, donc une petite vision de l'écosystème spatial. Ensuite, là, j'ai un petit exemple sur l'accessibilité des restaurants et des hôtels dans le centre-ville d'Avignon, où je vais essayer d'enchaîner quelques opérations façon démonstration, quoi. Donc tout d'abord, je vais vouloir étudier les restaurants. Donc je vais vouloir avoir une couche avec les points qui représentent la position des restaurants. Pour ça, je vais utiliser le package OSM Data, qui utilise l'API d'un service qui utilise les données d'OpenStreetMap. Donc là, c'est assez simple. En fait, je vais définir ici l'endroit où je veux télécharger mes données. Donc c'est Avignon, quartier centre. Donc c'est vraiment ce qui est dans les remparts. Et ensuite, je vais dire que je veux des nœuds, donc les points. Et en utilisant le système de clé-valeur de OSM, je vais prendre les aménités qui s'appellent restaurant. Puis ensuite, je les extrais avec deux autres fonctions et je les affiche. OK. Donc ça, c'est les restaurants dans la région d'Avignon, enfin, dans le centre-ville d'Avignon. OpenStreetMap, c'est une base de données libre. C'est un peu on a coutume de dire que c'est le Wikipédia de la géographie. Voilà, j'avais une super vidéo où on voyait les ajouts dans la base de données par les utilisateurs. Donc on voit la base de données grandir en fonction des années. Mais bon, ça veut dire aussi que cette base de données, elle est contributive, elle n'est pas forcément complète sur toutes les zones du monde. Je considère que sur Avignon, ça doit aller à peu près. Qu'est-ce que je veux faire avec ces restaurants? Ben, en fait, j'ai envie de savoir un peu quelle est la densité des restaurants, où est-ce qu'il y a plein de restaurants à Avignon, où est-ce que je vais manger ce soir, en gros, c'était ça. Donc là, je vais utiliser un paquet qui s'appelle SpatStat, et puis je vais faire un KDE dessus. Je vais faire un lissage, calculer une densité dans un voisinage, donc ici de 50 mètres, dans des pixels de 10 mètres. Et donc ça va me produire cette image-là, qui est très sympa, mais bon, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est l'ajouter par-dessus un fond pour avoir des références et savoir où je suis, quoi. Donc je vais ici télécharger des tuiles OpenStreetMap, et puis je vais pouvoir superposer les deux. Donc ça, c'est sympa. Mais pour la carto, j'aimerais avoir plutôt un truc vectoriel. Donc avec le package MapIso, je vais transformer ces pixels en plages de valeurs qui se ressemblent. Et puis à la fin, je vais pouvoir superposer ça à mon fond de carte OSM, et utiliser une représentation choroplète, donc je vais pouvoir avoir ma légende bien dessinée, etc. Bon, voilà pour les restaurants, mais si je voulais avoir plus un fond de carte plus complet, je peux aussi télécharger tout un tas de données chez OpenStreetMap. Donc là, j'ai pris les espaces verts, les surfaces en eau, les routes, les rails, les bâtiments, etc. Et ça, j'arrive à cette carte-là. Donc c'est un code un peu relou. Parce que les données OSM, elles ne sont pas hyper propres tout le temps, donc il faut un peu les nettoyer. Mais je m'en sors plutôt bien et j'obtiens un fond de carte qui est assez joli, assez sympa.
Donc pour l'afficher, j'ai utilisé MapSF et je change la couleur du fond, l'épaisseur des lignes, etc. Ensuite, je veux savoir où était la conférence. Donc là, j'utilise une librairie qui permet de faire du géocodage. Je rentre une adresse, je retrouve des points, je retrouve ici les coordonnées, et je me retrouve à pouvoir positionner la conférence sur la carte. Et puis en fait, ma vraie question, c'était quelles sont les routes qui mènent à la conférence ? Donc j'ai pris la distance, j'ai calculé les routes par le plus court chemin entre tous les hôtels que j'avais trouvés plus tôt vers la conférence. Et donc ça me donne ça. Avec le package OSRM, j'arrive à récupérer. Je vais montrer quand même le calcul parce que j'utilise une boucle. Et je sais que c'est pas. Mais c'est une boucle qui est propre. J'ai préalloué l'itération. Ça va dans une liste qui était précomputée avant. Et c'était pour la démonstration. Comme ça, la fonction est bien propre, bien lisible, selon moi. Et comme c'est une API, j'utilise Syslip pour ne pas tabasser le provider. Voilà. Et puis ensuite, j'ai agrégé tous ces tronçons pour voir où est-ce que passaient le plus de gens. Donc là, c'est s'il y avait une personne par hôtel, l'épaisseur de la ligne dépend du nombre de personnes qui passent. Donc avec cette carte-là, je peux savoir où est-ce que je peux intercepter le plus grand nombre d'utilisateurs de R dans Avignon le matin à 9h. Et bon, et évidemment, c'est... En fait, tous les chemins se retrouvent dans la rue devant. Voilà, bon, je ne détaille pas le code, en fait, j'ai plus de temps du tout. J'ai mis plein de ressources. Ce bouquin-là, il est super, par Novosad, Lovelace et Muncho. Il est vraiment très complet sur le spatial en R, très didactique. La première partie est traduite en français par un groupe d'utilisateurs francophones. Ensuite, il y a ce bouquin-là qui est... par PBSMA et Bivant, donc des figures du monde spatial. Très bien aussi. Pour les données raster, ça va être celui-là, par l'auteur du package Terra. Et puis, Hugues Pécou et moi avons commis deux documents où il y a tout un tas de points que je n'ai pas abordés aujourd'hui, comme la 3D, les cartogrammes, les transformations, enfin, il y a tout un tas de points que c'est super riche, les représentations carto un peu exotiques, etc. On en parle un peu dans ces deux documents-là. Et puis ensuite, vous avez plein de ressources sur le spatial, que ce soit la représentation géomatique carto ou l'analyse spatiale, dans le site Erzin, que je vous incite à aller visiter. Et puis ensuite, on a un petit groupe d'auto-formation entre trois labos parisiens sur le campus de Condorcet, où on fait régulièrement des séances d'auto-formation. Donc c'est des utilisateurs en formation qui viennent présenter un point particulier. Bon, et les supports sont en ligne ici. Et puis ensuite, bon, la Grand Task View, vraiment, allez-y si vous avez des questionnements. Il y a une liste mail, le blog de Air Spatial, c'est les auteurs de SF et tout un tas d'autres packages. Et puis un article un peu récapitulatif sur l'écosystème spatial de R par Roger Bivant, donc, qui est assez bien. Merci. Merci beaucoup, Timothée. On a énormément de questions. On n'a pas le temps de toutes les passer, malheureusement. Donc la première, c'est quel package conseilles-tu pour dans l'interpolation spatiale multivariée? Je sais pas trop. Je préfère le dire. Il faut aller voir sur la Task View. Je pense qu'il y a un truc dédié. Il y a plusieurs packages pour le faire, évidemment. Ouais. Multivarié, c'est l'aspect où je suis moins à l'aise. Et dans SF directement, il y a des moyens pour faire de l'interpolation spatiale directement, un peu. Autre question, tu déconseilles les shapefiles, quel format privilégié pour le stockage des données SIG quand on n'y connaît pas grand-chose? Ok. Alors, les shapefiles, c'est un format qui était propriétaire, qui peut-être l'est encore, de la boîte SRI, et qui est super vieux, en fait. Il doit avoir 30 ans ou quelque chose comme ça. Et qui a plein de limitations, c'est-à-dire que les champs peuvent pas faire plus de une douzaine de caractères, ils sont très limités. C'est 4 fichiers pour une couche d'information. Donc vraiment, je déconseille l'utilisation et je ne suis pas le seul à le dire. Moi, ce que je conseillerais pour une utilisation comme ça en local, ce serait plutôt le GeoPackage, qui est un format qui se base sur SQLite,
qui permet d'avoir plusieurs couches dans le même fichier, plusieurs couches d'informations dans le même fichier, c'est un peu l'inverse du shapefile du coup, et qui est assez agréable à utiliser. Et sinon, si on fait du web, si on doit travailler avec du JS, etc., le format GeoJSON, c'est pas mal. Okay. Troisième question, comment figer les packages GDAL, GEOS et PROJ pour assurer la reproductibilité? Et ben, selon moi, il faut les mettre dans un Docker. Okay. C'est pas, enfin, les packages, du coup, là, c'est les librairies système sur lesquelles repose SF, et Terra, et d'autres. Ouais, en fait, il n'y a pas vraiment d'autre solution pour que ça soit vraiment propre. Ok. On a encore... ouais. Comment gérer des intersections avec des objets de grande dimension? En utilisant d'autres packages que ceux que j'ai présentés là. Donc, par exemple, il y a une implémentation du format du standard Simple Feature dans un package qui s'appelle Geos. Quelque chose comme ça, qui est beaucoup plus léger et je pense qu'il fonctionne beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas tous les headers du data frame, etc. C'est un format de stockage qui est plus simple et qui permettra sans doute d'aller plus vite. Okay. Mais bon, c'est le spatial, les opérations d'intersection, c'est des opérations qui sont un peu lourdes. Oui. Quand il y a beaucoup de données, ça dure. Est-ce que j'en prends une dernière peut-être? Ouais. Et je vais en prendre une dernière. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, je vais sélectionner une qui... On pourra discuter dehors après. Oui, surtout aller voir Timothée après. Je vais en sélectionner une qui est assez générale et que j'ai trouvée intéressante, oui. Comment sait-on de quelle année datent les données OpenStreetMap quand on les récupère avec OSM Data? Alors OSM Data, on va dire, c'est une, enfin OSM, c'est une rolling release, on va dire, c'est-à-dire que c'est mis à jour tout le temps. Il n'y a pas d'archivage, il n'y a pas de versionnement à proprement parler. Après, quand on récupère les données via OSM Data, on obtient l'identifiant précis de l'objet, donc de chaque objet. Donc là, ce serait par exemple tous les points des restaurants. Et à partir de cet identifiant précis, on peut aller checker les métadonnées liées à cet objet qui vont mettre la date de dernière modification, en gros. Mais clairement, OSM, pour du temporel, c'est pas fait pour. Parce que, ouais. En fait, quand la base de données augmente, quand il y a plus de points, plus de lignes, c'est pas que forcément qu'il y ait des nouveaux objets, c'est qu'il y a des nouveaux objets qui ont été saisis dans la base. Mm. C'est peut-être la complétude qui augmente, ou peut-être des nouveaux points, on ne sait pas. Ok. Merci beaucoup, Timothée. Merci à vous.